Le CIST Guadeloupe vous présente ETV Santé. Bonjour à tous. Environ 2 Français sur 3 passent à peu près 8 heures de temps sur leur poste de travail. Vous comprenez bien qu'à ce rythme-là, le poste de travail devient un outil prépondérant sur la valeur de notre bien-être global. Aujourd'hui, Santé Pays s'intéresse justement à ces mesures qui sont faites sur nos postes de travail. Et nous sommes à l'usine Kraft. On va suivre Madame Rousset. C'est parti. Madame Rousset, bonjour. Nous sommes vraiment ravis de partager ce moment avec vous ce matin. Moi de même. Pouvez-vous nous indiquer votre fonction réellement ? Alors, au CIST 97.1, je suis technicienne en métrologie et je m'occupe particulièrement de réaliser les métrologies d'ambiance physique de travail, à savoir le bruit, l'éclairage, les vibrations sur chariot élévateur et les études de poste de travail, la charge physique de travail, les études de manutention. Et aujourd'hui, nous allons réaliser quoi comme mesure exactement ? Alors, aujourd'hui, dans l'entreprise où nous sommes, on va réaliser une mesure de bruit et une mesure de vibration sur les chariots élévateurs. Je vais utiliser des exposimètres pour mesurer le niveau auxquels sont exposés les salariés, le niveau de bruit. Puis je pose des appareils sous les salariés pendant un certain temps en fonction de la méthodologie qui a été choisie. Et par la suite, on va récupérer les données grâce à un logiciel qui nous permet de traiter les données. La deuxième mesure consiste effectivement à mesurer les vibrations transmises au corps entier. Pour cela, j'utilise un dosimètre de vibration qui est posé sous le siège du salarié. Je récupère un échantillon d'environ 30 minutes de conduite. Et après, même pratique, même chose, je récupère les données grâce à un logiciel informatique. Bonjour Monsieur Panobio, merci de nous recevoir aujourd'hui à l'usine Kraft. Pouvez-vous nous parler un peu de l'intérêt que vous avez justement à faire venir Madame Rousset sur l'usine pour la mesure des risques ? Alors le premier intérêt pour nous de faire venir Madame Rousset, c'est tout d'abord de mettre à jour et de faire évoluer notre politique de sécurité en interne. Madame Rousset aussi intervient au niveau de mon personnel pour sensibiliser au niveau des risques, surtout auditifs, suite au bruit que peuvent procurer nos machines. Madame Rousset nous sert aussi à proposer des aménagements et des formations auprès de nos salariés afin de travailler sur l'ergonomie à leur poste de travail. Je suis agréablement surpris de voir que l'usine Kraft se préoccupe du bien-être de ses collaborateurs. En effet, l'usine Kraft est là depuis un peu plus de 40 ans maintenant. On est fiers d'avoir une production locale. Et le fait de pérenniser nos ouvriers, ça ressent sur la qualité de nos produits sur lesquels on œuvre au quotidien. Et la Kraft essaie de véhiculer un esprit de confiance et d'entraide entre ses salariés. Vous l'aurez compris, votre bien-être passe aussi par la qualité de votre environnement de travail. Santé Pays, c'est fini pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et n'oubliez surtout pas, la vie belle. ETV Santé vous a été présenté par le CIST Guadeloupe.